Madame, Monsieur, bienvenue dans le 20h Weekend. Voici les titres de votre édition. L'échiquier politique marocain reconfiguré à l'issue du 5e congrès du PAM. Le parti Authenticité et Modernité est désormais dirigé par une présidence collégiale avec à sa tête Fatem Zahra Mansouri. Nous verrons ce qu'en dit la presse en compagnie de Jaziel Hamak. Le drame à Fès après l'effondrement meurtrier d'une bâtisse de 3 étages dans la Médina. 5 personnes ont péri dans l'affaissement du toit précipité par les dernières intempéries qui ont frappé la région. La sensibilisation des générations futures au caractère précieux de l'or bleu en cette période de forte sécheresse. La société civile se mobilise pour éduquer les plus jeunes aux bons gestes à suivre. Et nous nous intéresserons aux précautions à prendre pour préserver notre peau contre les effets du froid. Par ces temps de chute sensible des températures, l'épiderme subit de nombreuses agressions qu'il ne faut pas négliger. C'est inédit. Dans les rangs du PAM, l'un des principaux partis de la majorité a confectionné un attelage original composé d'un trio à la tête de son secrétariat général. Fatem Zahra Mansouri est épaulé par Mehdi Ben Saïd et Salah Dine Abourali pour donner une nouvelle dynamique au parti du tracteur. Reportage à Bouznaqa, Mohamed Aboubakar, Mustapha Saadouni, Amina Ben Khalq. Symbole du renouveau, ils sont acclamés par les congressistes. Fatem Zahra Mansouri, Mohamed Mehdi Ben Saïd et Salah Dine Abourali est le trio qui dirige désormais le parti Authenticité et Modernité, selon un système de présidence collégiale. Il succède ainsi à Abdellatif Ouhbi, qui n'a pas souhaité rempiler à la tête du PAM. C'est un congrès très réussi grâce à la participation de toutes et tous les congressistes. Nous nous félicitons également de la qualité et du niveau des débats entre les membres des partis au sein des comités. Autre moment important, la session du Conseil national, tenue immédiatement après l'approbation des statuts du PAM et celle du document politique. Un document politique qui trace les grandes lignes de l'action de l'Académie de formation du parti. Un organe qui verra bientôt le jour et dont la direction a été confiée à un ténor du parti, Ahmed Archichine. Autre temps fort de ce congrès, l'élection d'une autre femme, Najwa Koukous, présidente du Conseil national du PAM. Elle succède ainsi à Fatem Zahra Mansouri. Nous espérons, en tant que jeunesse du parti, contribuer au débat politique pour mettre en œuvre les hautes orientations royales. Notre souhait est de voir cette présidence collégiale du secrétariat général du parti s'attaquer aux défis et problématiques actuelles et mettre en place une liste de priorités. Une nouvelle étape s'ouvre donc pour le parti de la coalition gouvernementale, le parti du tracteur, qui devient la première formation politique de l'histoire du Maroc à choisir la présidence collégiale comme mode de gouvernance. Une actualité politique largement commentée par la presse, comme vous l'avez constaté. Jaziel Hamari, bonsoir. Bonsoir Wadia. Et effectivement, on commence par aujourd'hui le Maroc. Dans son édition datée de lundi, le quotidien revient sur la fin du suspense concernant l'identité de la nouvelle direction du PAM, lit-on, avant de conclure sur la réussite du congrès qui s'est tenu hier à Bouznaqa. Dans ses colonnes, l'économiste insiste sur la troïka à la tête du PAM. Et c'est à lire page 26. Le journal rappelle que les travaux du 5e congrès national du PAM ont été également marqués par l'élection de Najwa Koukous en tant que présidente du Conseil national. Du côté des hebdos, j'ai retenu dans Maroc Hebdo cet entretien avec Leïla Ben Ali, membre du bureau politique du PAM. Dans les propos recueillis par Nourdine Johari, l'actuel ministre de la Transition énergétique explique notamment que la dynamique enclenchée depuis un certain temps doit prendre une deuxième vitesse. Et qu'en est-il, Jazia, de la presse électronique? Dans le desk, c'est la nouveauté de ces élections qui est mise en avant. La moitié du bureau politique est composée de membres élus du parti ou exerçant déjà des fonctions à plein temps. Il s'agit notamment de ministres ou encore de présidents des régions auxquels s'ajoutent des représentants de la formation féminine et des jeunes. Cet article de Média 24 précise quant à lui que la direction collégiale a été adoptée par le PAM et d'ajouter que les 3 dirigeants ont été élus pour un mandat de 4 ans avant d'annoncer la création d'une académie de la pensée politique du PAM qui sera dirigée par Ahmed Archichine. Enfin, Yabil Hadi titre « Une direction collégiale prend le gouvernail du tracteur », une formule qui a nécessité, selon le journaliste, l'introduction d'amendements au règlement intérieur de la formation politique, des modifications adoptées sans problème par les congressistes, conclut-il.
Et pour conclure justement, la belle info du week-end, encore une histoire de femme que vous avez découverte dans le 360. Eh bien, je vous propose de terminer avec cette influenceuse marocaine pas comme les autres. Kenza Laili a été générée par intelligence artificielle et compte déjà près de 100 000 abonnés. Comme l'explique le site, derrière cette influenceuse d'un nouveau genre se cache Myriam Bessa, qui a lancé l'atelier digital en 2016. La preuve, s'il en est, qu'en politique comme sur les réseaux sociaux, mieux vaut se méfier des apparences. Merci José. La semaine prochaine, l'actualité nationale endeuillée par ce drame survenu hier soir dans la médina de Fès. Une vieille bâtisse s'est effondrée sur ses occupants. Les membres de trois familles s'y trouvaient lorsque la catastrophe est survenue. Malheureusement, cinq personnes ont péri sous les décombres. Reportage Oussama Oufkhir, Hamza Salhi et Adil Lutete. La vie reprend son cours dans l'ancienne médina de Fès au lendemain du drame. C'est ici, dans la rue Zqaq Rumman, qu'une maison s'est effondrée hier en début de soirée, emportant avec elle cinq personnes. D'habitude, les habitants du rez-de-chaussée sont absents, mais ils étaient bel et bien présents au moment de l'effondrement. Quand les autorités sont intervenues, elles ont sorti cinq corps des décombres. Les personnes tuées sont trois hommes et deux femmes. À en croire les responsables, il s'agit d'un drame isolé qui aurait pu être évité. Le toit et les paliers étaient dans un état très délabré et cela n'a pas été rapporté par les habitants aux autorités concernées pour qu'elles puissent remédier à la situation. Les travaux de reconstruction seront pris en charge par l'agence. Afin tout justement d'éviter l'affaissement des vieilles constructions de l'ancienne médina de Fès, les autorités se sont attaquées à un grand chantier visant à les remettre en bon état. Plus de 4000 maisons ont été réhabilitées au cours des 10 dernières années. On passe maintenant à l'actualité internationale, toujours dominée par le drame que subissent depuis plus de 4 mois les Palestiniens de la bande de Gaza. Le territoire n'est plus que ruine et gravats et le bilan humain de plus de 28 000 morts ne cesse de s'aggraver sous l'effet des bombardements à répétition. Wissal Alem. Des immeubles éventrés et un spectacle de chaos, témoins de la violence des bombardements israéliens. Alors qu'un plan d'évacuation des civils a été demandé par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne a intensifié ses frappes sur Rafah. Dernier refuge des populations déplacées, cette ville du sud de la bande de Gaza où s'entassent plus d'1 300 000 personnes, se retrouve sous les bombes depuis plusieurs jours. La zone a été prise d'assaut par l'armée israélienne qui nous oblige à quitter les lieux et à nous rendre dans d'autres quartiers. Nous sommes 80 familles et nous ne pouvons absolument pas partir. Vous voyez tout ce qui se passe devant vous. Au cours des dernières semaines, la population de Rafah a été multipliée par 5. Face aux bombardements quotidiens, les déplacés se préparent au pire et s'apprêtent de nouveau à fuir la ville, transformée en un gigantesque campement. Les frappes israéliennes se sont également intensifiées à quelques kilomètres au nord à Khan Younes. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, plus de 28 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. À l'étranger, toujours la tension qui ne retombe pas au Sénégal face à la décision du président Sall de reporter sine die les élections présidentielles. Cela a donné lieu à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui se sont soldés par la mort de 3 personnes entre vendredi et samedi. Et malgré les appels au calme, les opposants à cette décision politique ne comptent pas en rester là. Retour dans le Royaume et direction la région de Middletown. L'espoir est de nouveau permis parmi les agriculteurs. À la faveur des dernières précipitations, les arboriculteurs peuvent désormais envisager la suite de la saison avec un peu moins d'inquiétude. Reportage Abd Samad Taham, Ismaël Khalil et Oussama Al-Bqali. Avec plus de 18 mm de précipitations à Middletown, rien que ce mois-ci, de nombreux agriculteurs ont constaté l'impact positif sur la végétation. Dans cette région célèbre pour la culture de la pomme, ces dernières pluies ont redonné espoir. Nous nous appuyons beaucoup sur l'eau des sources. Ces précipitations vont nous donner un support vital à la culture des pommiers. Les éleveurs trouveront également de quoi nourrir leurs troupeaux. Le foin atteint des prix trop élevés, sans parler du coût du transport. Arbres fruitiers, plantations céréalières et pâtures ont tous bénéficié des pluies des derniers jours, rassurant quant au rendement agricole ainsi qu'à celui des élevages. Nous gardons espoir pour le reste de ce mois-ci
et du mois de mars. Nous espérons avoir des précipitations supplémentaires afin de soutenir la saison agricole et réussir la collecte de pommes caractéristiques à cette région. Depuis le début de la saison, Midlt, qui à elle seule contribue pour près de la moitié de la production nationale de la pomme, a reçu près de 106 mm de pluie. Elle compte également plus de 760 000 têtes de bétail. Et dans ce contexte de forte sécheresse, la société civile se mobilise dans le sillage des actions entreprises par les autorités locales. Du côté de Salé, une association sensibilise ainsi les citoyens de demain à la nécessité de préserver autant que faire se peut les réserves d'or bleu. Reportage Maria Mamelal, Mustapha Saadouni et Salim Amnabou. C'est un après-midi musical, ludique, mais surtout écologique. Ne pas laisser couler l'eau lorsque l'on se brosse les dents ou se frotte les mains, des gestes simples pour un usage responsable et consciencieux. Au départ, je suis venu pour jouer et j'ai été agréablement surpris. Je salue cette démarche. Désormais, je fermerai le robinet lorsque je me brosserai les dents pour éviter de gaspiller cette richesse. J'ai appris que nous devions à tout prix éviter le gaspillage. Une goutte d'eau vaut de l'or aujourd'hui. Une manière d'impliquer les plus petits dans la gestion de l'or bleu et de sensibiliser les adultes de demain qui seront affectés par la crise de l'eau plus que toute autre génération précédente. Protéger l'eau de mon pays pour préserver l'avenir de mes enfants, c'est en quelque sorte l'ambition de cette semaine de sensibilisation. Chaque geste compte pour une utilisation responsable de l'eau. Prochain rendez-vous prévu mercredi dans l'une des maisons de jeunes de la capitale. Les adolescents, des acteurs également indispensables à la résolution de ce défi. Vous êtes bien dans le 20h week-end, ne zappez surtout pas. Dans un instant, Jamal Oualem soulèvera dans sa chronique sport le débat autour de l'introduction d'un carton bleu dans le foot professionnel. Il pèsera le pour et le contre pour nous. Et nous recevrons la jeune artiste Hinqa Dehman pour son exposition collective à Tanger. Elle nous dévoilera les tenants et les aboutissants de sa démarche introspective aux multiples perspectives. Et tout de suite, parlons santé avec les effets du froid sur la peau. Ce rempart aux agressions extérieures est particulièrement exposé à la chute des températures. Il convient donc d'en prendre soin à travers différentes actions préventives et le cas échéant, certains traitements curatifs. Les détails à Marrakech avec Isa Sharqi et Mohamed Chaïba. Si le froid est connu pour son efficacité quant au ralentissement du vieillissement, il peut néanmoins être rude pour la peau. Irritation, sécheresse ou dans les cas les plus extrêmes, brûlures et gangrènes, les températures dégringolantes peuvent être dangereuses pour l'épiderme. Le biais de la vasoconstriction et la diminution de l'oxygénation cutanée qui en découle, il peut provoquer irritation, rougeur, sécheresse, de la gratte, des fissures et parfois des dommages très sérieux allant de l'engelure, la brûlure et même la gangrène. Et pour se prémunir de ces désagréments, il est important de bien se couvrir en favorisant le port de vêtements en coton. Les spécialistes insistent également sur l'hydratation de l'organisme et de la peau. Il faut bien se couvrir pour garder le corps au chaud. Donc il faut porter des gants, des écharpes, il faut mettre des vêtements qui sont en coton, qui sont plus confortables en hiver, éviter tout ce qui est synthétique ou en laine qui sont des textures plutôt irritantes. Ensuite, il faut boire suffisamment d'eau. Donc, il est conseillé d'utiliser des crèmes qui sont plutôt épaisses, grasses, pour bien hydrater le corps, sans oublier les mains et le visage. Une petite attention, elle est recommandée aussi pour les lèvres, qu'il faut hydrater plusieurs fois par jour. Pensez également à nettoyer votre peau avec des produits doux qui n'agressent pas votre épiderme. Lavez-vous plutôt avec de l'eau tiède. L'eau chaude a tendance à dessécher la peau et à la priver de ses huiles naturelles. Sport avec la qualification de la taekwondoïste marocaine Fatem Zahra Boufaras au JO de Paris 2024. L'athlète a décroché son billet hier en s'imposant lors d'un tournoi africain organisé dans la capitale sénégalaise. Elle porte désormais sur ses épaules les espoirs du royaume après s'être illustrée en 2018 aux Jeux olympiques de la jeunesse dans la capitale argentine. Et voilà qui nous amène à la chronique sport de Jamal Oualem. Bonsoir, et vous avez décidé de vous intéresser au débat autour de l'instauration d'un carton bleu dans le foot professionnel. Bonsoir mon cher Wadir. Selon plusieurs médias, notamment anglais, l'International Football Association Board, gardien des règles du jeu, songerait à introduire un troisième carton. Le principe se rapprocherait de celui des règles en vigueur dans le rugby. Un joueur serait exclu dans la rencontre pendant une durée de 10 minutes dans deux situations bien précises, une contestation arbitrale beaucoup trop véhémente et une faute délibérée d'anti-jeu pour annihiler une offensive.
Deux cartons bleus seraient synonymes d'expulsion définitive, tout comme le cumul d'un carton jaune et d'un carton bleu. Et quels pourraient être les avantages de ce fameux carton bleu ? Ces dernières années, l'IFAB a permis l'évolution de plusieurs règles. On pense à l'apparition de la VAR ou encore celle des 5 changements de joueurs au lieu de 3 précédemment. L'introduction du carton bleu serait une sanction intermédiaire entre l'avertissement et l'expulsion, entre le carton jaune et le carton rouge. L'objectif serait donc de sanctionner plus durement l'équipe d'un joueur commettant un acte délibéré d'anti-jeu. Être en infériorité numérique pendant 10 minutes serait pénalisant pour l'équipe, comme on peut régulièrement le constater en rugby ou en hockey sur glace. L'objectif est de pacifier et fluidifier un jeu qui est parfois trop haché, rendu dur par l'équipe qui est dominée et qui multiplie donc les fautes. Et cette règle révolutionnaire ne devrait pas cependant voir le jour dans l'immédiat. Après l'emballement médiatique et les réactions de plusieurs acteurs, joueurs et entraîneurs, la FIFA a sonné la fin de la récréation. L'instance qui chapeaute le football international a réagi via un communiqué sur ses réseaux sociaux. La FIFA a rappelé que les annonces faites sont incorrectes et prématurées. De tels essais devraient se limiter à des niveaux inférieurs. L'IFAB décidera si cette innovation pourra être introduite et ce sera d'abord des compétitions amateurs qui serviront de laboratoire expérimental. De nombreuses questions demeurent. Quid de l'interprétation arbitrale sur l'acte délibéré d'un joueur et son application d'un match à un autre? Quid du nombre de cartons bleus qu'il serait possible de distribuer en même temps? Qu'on se le dise, si le carton rouge a fait ses premiers pas lors du quart de finale de la Coupe du Monde 1966 en Angleterre entre les Anglais et les Argentins et que l'Allemand Rudolf Kreitlein est devenu célèbre en devenant le premier arbitre à sortir son carton rouge au capitaine argentin Antonio Ubaldo Ratín, les premiers protagonistes du carton bleu sont loin d'exister à l'heure actuelle. Affaire à suivre et merci Jamel, à la semaine prochaine pour l'info et l'actu sport. L'actu sportive, c'est aussi bien évidemment la finale de la CAN qui oppose dans un peu plus d'une demi-heure la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Après un parcours semé d'embûches, les supporters des éléphants continuent à croire à leur belle étoile et rêvent d'une victoire historique. Pour ce faire, il faudra venir à bout des Super Eagles du Nigeria qui ont réalisé un parcours sans faute et qui se sont surtout déjà imposés face aux Ivoiriens. C'était au cours du premier tour. Et nous l'avions reçu au tout début de la CAN. C'est avec lui que nous allons boucler cette compétition sportive. Le plus ivoirien des Marocains est au stade olympique Alassane Ouattara d'Abidjan pour assister à la finale. Bonsoir Wallace, vous êtes avec nous par connexion téléphonique. Quelle est l'ambiance dans les tribunes? Bonsoir Wadi, l'ambiance est extraordinaire ici. Il y a 60 000 personnes. C'est un souli à des gens aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Alors, on vous entend, voilà, assez difficilement. Vous évoquiez effectivement aussi la présence de Marocains dans les tribunes. Comment a été perçue par les Ivoiriens cette victoire du Maroc contre la Zambie qui leur a permis finalement de se qualifier? Malheureusement, on va devoir malheureusement interrompre la communication. Merci Wallace d'avoir été avec nous, mais on ne vous entend pas malheureusement. On ouvre notre page culturelle avec cette exposition collective prévue samedi prochain à l'atelier 15 à Tanger. Parmi les 4 artistes à l'affiche figure Hind Qadi Hamed. L'artiste y dévoile une série d'œuvres inspirées de son parcours personnel dans sa quête d'identité. Une démarche qui mêle à la fois style naïf et figuratif avec la volonté d'affirmer avec force les différentes composantes de sa féminité tout en subtilité. Hind Qadi Hamed qui nous a rejoint sur le plateau du 20h week-end. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Vous abordez la peinture comme un voyage intérieur, dites-vous, où vous amenez cette exploration dans laquelle vous vous êtes lancé dans le cadre de cette future exposition? Alors d'abord, merci Wadir pour ton accueil et ta bienveillance. Alors mon exploration artistique, mon chemin artistique, n'est pas loin de mon autre côté de formation. Donc j'ai fait mes études en ingénierie, donc je suis ingénieure de formation. Puis je suis passée à la formation en étant dans l'accueil et le service en hôtellerie de luxe.
Donc, le côté formation, ça parle un petit peu du développement personnel et du chemin vers la vérité interne, ce qui nous aide à nous retrouver et trouver des solutions aux problèmes quotidiens. Quel style est-ce que vous avez adopté dans le cadre de ce cheminement? Qu'est-ce qui vous a inspiré particulièrement? Ce qui m'inspire, c'est le quotidien, c'est mon entourage, c'est mon propre développement, c'est les challenges du travail, de la vie du quotidien. Sur le plan artistique? Sur le plan artistique, alors j'ai une palette assez paradoxale. Donc c'est le blanc et le noir avec quelques petites touches de couleurs de temps à autre, surtout pour de l'ambiance. Et enfin, le blanc et le noir, ça symbolise un petit peu le paradoxe, l'ambivalence. Les matières que vous employez dans vos créations, vous cherchez notamment à mettre en relief ce que vous appelez les paradoxes de la vie. Expliquez-nous. Alors, dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs paradoxes, dont la science et l'art. Donc, j'ai toujours été très scientifique. J'ai eu mon bac en sciences physiques, et puis, avec mention très bien. Puis, j'ai fait de l'ingénierie. Donc, j'étais toujours passionnée par la science et l'art en même temps. Et j'ai vécu beaucoup de paradoxes à côté, donc ce qui a mené un petit peu à cette acceptation de ces paradoxes-là pour pouvoir me retrouver et affirmer mon identité. Et comment vous le traduisez sur vos toiles? Je le traduis par des silhouettes avec des touches abstraites. Donc la silhouette, c'est un petit peu la figuration. L'abstrait, c'est le côté un petit peu naïf, ça sort de l'ordinaire, ça va vers le contemporain. Vous jouez également beaucoup avec les contrastes. Est-ce que c'est pour éclairer votre part d'ombre ou assombrir votre part de lumière? Alors, c'est très bonne question, parce que le sombre, au fait, ça symbolise justement cette exploration. Donc, le plus qu'on plonge dans le sombre, le plus la lumière émane. Et donc, voilà, le contraste, c'est les deux. En fait, il n'y a pas de dominance particulière. Je peux dire que le noir domine de temps à autre, parce que c'est le chemin qui importe, c'est cette exploration. Vous avez opté pour une démarche qui est très personnelle. Dans le même temps, vous incitez le public à privilégier l'être au paraître. C'est ambitieux dans un monde, dans un univers où l'image et les illusions dominent. Alors, justement, ça veut dire que la recherche de la vérité vient du fait qu'on est tout le temps dans les apparences. Et puis, on prend des rôles particuliers en famille, dans le travail, avec nos amis, etc. Et donc, il y a une crise qui se crée, une crise interne. C'est pas une chose qui est facile à dépasser. Et donc, ce type d'exploration permet justement de retrouver cette vérité interne qui est au fait la source de la compréhension du paradoxe. C'est une démarche, une espèce de quête d'identité, une quête de vérité, une recherche aussi d'un certain accomplissement de soi, presque une thérapie. Exactement. Donc le pont avec la thérapie, c'est que mes peintures ou bien mes moments dans l'atelier, c'est comme une sorte de méditation continue. La thérapie, c'est justement, ça a commencé avec la thérapie. J'ai commencé avec ma propre thérapie, donc. J'ai commencé à donner des ateliers d'art-thérapie par la suite pour aider mon environnement à dépasser leurs propres challenges avec des moyens très subliminaux, si on peut dire. Eh bien, tout ça, c'est à découvrir la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, samedi, dimanche pour le grand public. Ça sera à Tanger. Merci beaucoup, Hind Qadehman, d'avoir été. Je veux juste mentionner. Merci beaucoup, Wadia. Excuse-moi de t'interrompre. Il y a aussi une deuxième exposition à la Khawin University le 2 mai, le 2 mars, pardon. Ça veut dire que ça sera le mois juste après à Hawaï, où vous avez fait vos études. Donc finalement, la boucle est ainsi bouclée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Wadia. Week-end. De la peinture, on passe à la littérature avec la clôture du deuxième festival du livre africain de Marrakech. Une véritable tribune au profit des auteurs du continent qui en ont profité pour s'interroger notamment sur la place des utopies dans nos cultures respectives. Reportage Samia Harissi et Rafiqa Goumed.
Littérature africaine lusophone à l'honneur hier aux flammes, avec de grosses pointures comme l'Angolais José Eduardo Agualusa. Son œuvre explore l'univers afro-latino, revendiquant sa filiation littéraire avec des auteurs tels que Jorge Amado, Borges ou encore Gabriel Garcia Marquez. Et comme ce dernier, il a été journaliste dans une autre vie. Pour moi, comme écrivain, c'était important d'être journaliste, car le journalisme, j'ai appris à m'approcher de les gens. Et, alors c'était important, mais j'ai écrit toute ma vie. Hein. Miyakuto, lui, est né en Mozambique. Il est l'un des écrivains de langue lusophone le plus traduit en Occident. Dans son débat autour des utopies, il a une position très humaniste. Quand on a la peur, on ne rêve pas, on a des cauchemars. Et si on a des cauchemars, on a besoin d'une thérapie qui va nous sauver. C'est pas ça. C'est une chose plus facile, mais très difficile de concrétiser. C'est créer un autre genre de relation où je veux connaître l'autre personne parce que je sais que cette autre personne existe au-dedans de moi. Baisser le rideau demain pour le Flamme après 4 jours intenses de littérature durant lesquels les écrivains africains ont partagé leur mémoire, leur histoire et leurs rêves d'un monde meilleur. Et pour clore cette édition, les images des célébrations du Nouvel An chinois. L'événement a donné lieu à une série de spectacles dans la pure tradition locale. Des shows réunissant des milliers de spectateurs qui se retrouvent en famille pour fêter l'avènement de ce qui sera l'année du dragon, comme vous le voyez sur ces images. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce dimanche 11 février. 5 morts malheureusement dans l'effondrement d'une habitation à Fès fragilisée par les dernières intempéries. La demeure de l'ancienne Médina était occupée par 3 familles. Plusieurs de leurs membres avaient été ensevelis sous les décombres. Dans un instant, que du sport suivi d'El Messaïa présenté par Rahmel Hennaoui. Pendant la semaine, vous retrouverez Yassine Benbel. Nous, on se donne rendez-vous le week-end prochain. Même heure, même endroit.